Bonjour mes chers élèves, vous devez savoir que la pression artérielle, c'est une constante biologique régulée. Sa régulation nécessite l'intervention du système endocrinien à travers les hormones qu'on verra ultérieurement et du système nerveux qui est un système réflexe, c'est-à-dire on a une boucle de régulation. On a une boucle de réflexe qui fait intervenir différents acteurs. On a ici, comme vous voyez, le schéma général de cette boucle de régulation. Tout d'abord, il faut pouvoir repérer quelle est la perturbation du milieu intérieur. Ici, ça va être une modification de la pression artérielle qui représente les stimulus, qui va stimuler des récepteurs qui se trouvent dans l'organisme, des capteurs qui détectent cette variation. Une fois stimulés ces capteurs, ils vont envoyer un influx nerveux sensitif à travers des nerfs sensitifs afférents vers le centre nerveux intégrateur. Ce dernier, il va intégrer l'information, il va la traiter, il va donner un ordre à travers un message nerveux moteur qui sera transmis par des nerfs efférents moteurs vers l'organe effecteur. Celui-là va recevoir l'ordre, il va modifier son activité et corriger la perturbation pour qu'il puisse revenir à une valeur normale, à une valeur de consigne. Les barorécepteurs, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous entendez ce terme-là, récepteur, vous connaissez le mot réception. Baro, c'est une pression. Effectivement, ce sont des récepteurs à la pression. Ce sont des récepteurs sensoriels des cellules nerveuses qui détectent les variations de la pression artérielle. Elles captent la pression artérielle. Est-elle élevée ou bien est-elle faible? Où se trouvent ces récepteurs? Au niveau de la couche des tissus élastiques des vaisseaux sanguins, au niveau de sinus carotidien et au niveau de la crosse aortique. Ils ont pour rôle de réguler la pression artérielle par deux voies, par la voie sympathique et par la voie parasympathique qu'on va étudier ultérieurement. Autre chose que vous devez savoir, que ces barorécepteurs, ils sont reliés à des nerfs sensitifs, tels que le nerf de Hering qui émerge partir du sinus carotidien et aussi le nerf du sillon qui émerge à partir de la crosse aortique. Quelle est la différence entre les nerfs efférents et les nerfs afférents? C'est simple. Les nerfs afférents, je peux les nommer les nerfs sensitifs, ce sont des nerfs qui transmettent les influx nerveux sensitifs des barorécepteurs qui se trouvent au niveau de la crosse aortique et des sinus carotidiens vers le centre intégrateur.
Quels sont ces nerfs-là? Ce sont les nerfs de Ehring situés au niveau du sinus carotidien et ce sont les nerfs de sillon situés au niveau de la crosse aortique. Donc retenez bien, ils ont pour rôle de transmettre les influx nerveux sensitifs à partir des barreaux récepteurs vers le centre intégrateur. Le contraire, les nerfs efférents, ce sont des nerfs moteurs qui transmettent l'influx moteur, qui véhicule l'influx moteur du centre nerveux intégrateur vers l'effecteur qui est le cœur. Retenez, on a deux types de nerfs. On a les nerfs parasympathiques, comme je peux le nommer le nerf X ou bien le nerf vague. Ce sont des nerfs qui transmettent des messages nerveux cardiomodérateurs qui conduisent à la diminution de la pression artérielle. Et on a les nerfs sympathiques qui véhiculent des messages nerveux cardio-accélérateurs qui provoquent l'augmentation de la... Un autre terme qu'on a déjà vu, le centre intégrateur. On a vu ce terme-là lorsqu'on a étudié la boucle de régulation ou bien la boucle de réflexe de la pression artérielle. Le centre intégrateur, c'est le centre de commande. C'est le centre nerveux qui analyse les messages, les influx nerveux sensitifs qui proviennent par les nerfs afférents, par les nerfs de Ehring et le nerf de sillon, provenant des barreaux récepteurs. Une fois qu'il va recevoir ces influx nerveux, il va intégrer certaines informations, il va la moduler pour qu'il y aura à la fin d'un message nerveux moteur qui sera transmis vers l'effecteur qui est le cœur. Quel sont ce centre nerveux? C'est le bulbe rachidien. Mais on a deux. On a un centre bulbaire ventral modérateur qui diminue l'activité cardiaque et le rythme cardiaque. Et on a un centre bulbaire latéral, médulaire, qui est accélérateur, qui fait augmenter le rythme cardiaque. Regardez avec moi. Ça, c'est le centre intégrateur, c'est le bulbe rachidien. De là, à partir du bulbe rachidien, il part des nerfs qui énervent le cœur. On a les nerfs parasympathiques. Ce sont des nerfs cardiomodérateurs. Ils diminuent l'activité cardiaque. Et on a des nerfs sympathiques qui sont cardio-accélérateurs qui augmentent l'activité du cœur.